Hey yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour un nouvel épisode des carrières abonnées, les gars. Cette fois-ci, c'est le 11 préféré de Théo, mais cette fois-ci sans H. Et le nom en commentaire, c'était Théo du Brésil, je crois. Donc, on va vous regarder ton 11 directement. Hein. Donc, Thibaut Courtois, avec Van Dijk, Ramos et Ruben Dias en défense. Franchement, une défense très très solide, un gardien très solide aussi. Mais, Van Dijk, moi, c'est pas dans mes préférés, mais bon, ça reste très solide. Hakimi, Nuno Mendes à gauche, les latéraux du PSG, donc forcément, je kiffe. De Bruyne, Goretzka, très très fort aussi comme milieu de terrain. Neymar en 10, Ronaldo, Mbappé en pointe. Franchement, ton équipe, elle est monstrueuse. Donc, on va partir directement pour la simulation, on va pas perdre plus de temps. Je t'ai mis en première ligue, hein, vu que t'as une équipe assez monstrueuse quand même. Donc, c'est parti pour simuler. Let's go, les gars. Au niveau de la préparation, franchement, ça va, des victoires et un match nul. Tu commences assez fort quand même le championnat de première ligue avec un match face à Leicester en victoire 2-0, donc ça va. Match face à Everton, victoire 4-2, ça va. En coupe, ça va aussi. Et face à Arsenal, premier gros test, match nul 0-0, personne n'a su prendre les devants. Donc, premier match nul de la saison, mais bon, avant il y a deux victoires donc ça va. Troisième victoire en première ligue face à Leeds. En Ligue Europa, victoire. Défaite en première ligue, défaite aussi en Carabao Cup. T'es déjà éliminé de la Carabao Cup. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Ensuite en Europa League, franchement ça va. Face à Manchester City, l'une des plus grosses équipes de la carrière. En plus, t'as pas pris beaucoup de joueurs de leur équipe. Il y a une victoire, donc ça va, face à Crystal Palace. Oh, normalement, faut gagner. Là, les deux matchs, il faut les gagner. Hein. Pour être premier, victoire 3-0 écrasante à Old Trafford. Et défaite 2-0, par contre, face à Liverpool. Ton équipe est des fois des bêtes de match. Et d'un coup, pouf, défaite ou match nul, malheureusement. Mais bon, allez, face à Tottenham. Victoire 2-1. C'est très dur de gagner face à Tottenham, mais bon, tu l'as fait, donc ça va. Match nul encore une fois en Europa League. Victoire face à Chelsea, 2-0 à Stamford Bridge. On verra pas face à Brentford, il me semble. Victoire face à Brighton, 2-1 en Europa League. Victoire 4-0 pour le dernier match. C'est parfait. Défaite face à Aston Villa. Non! C'est ça que je disais là. Défaite face à Nottingham Forest. Oui, j'étais capable de gagner contre les meilleures équipes et contre des équipes milieu de tableau, voire qui jouent le maintien. Tu perds, donc franchement, c'est pas compréhensible. Victoire face à Tottenham, voilà. Tu vois, United et Tottenham, là, tu les as battus. Mais Nottingham Forest, malheureusement, tu les as pas battus. Première ligue, hop, t'es deuxième. 4 points derrière Liverpool. En vrai de vrai, ça va. Tac, et là, du coup, ouais, t'as fini premier, ça va. Il y a quand même le PSG et tout qui sont arrivés en Europa League. Hein. Donc attention à toi, c'est pas sûr que t'aies gagné le match. En tout cas, c'est parti pour la deuxième partie de saison. Let's go, la FA Cup. Ça se passe bien pour l'instant, en espérant que tu gagnes la FA Cup, parce que t'as perdu la Carabao Cup. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Défaite face à Southampton, mais comment c'est possible? Purée, victoire face à Crystal Palace, 4-1. Victoire en coupe face à QPR, 3-0. Attention face à Manchester City, qu'est-ce qui va se passer? Nul. Bon, en vrai de vrai, ça va. Oh, il y aura un match face à Manchester United. On ne saura pas si t'as gagné. Enfin, on saura s'il y a un autre match qui est programmé dans le prochain mois. Victoire 4-0, victoire 1-0 face à Arsenal. Face à Aston Villa, t'as perdu le match aller. Match nul au retour. En coupe, tu t'es qualifié, vu que tu vas jouer face à Manchester City. Huitième de finale aller face à Leipzig, victoire 2-0. Victoire face à Manchester City en FA Cup, c'est magnifique. Défaite 3-2, ça va, t'es quand même en quart de finale de Ligue des Champions. La défaite, elle n'a pas été trop salée pour toi. Attention face à Wolverhampton, 0-0. Défaite 2-1 à l'aller contre l'Inter, faut une remontada. Est-ce que tu vas la faire? Bon, éliminé en quart de finale d'Europa League. Victoire, victoire, demi-finale. Ok, t'es en finale de FA Cup. Bien joué à toi. Ça enchaîne les victoires en plus face à Chelsea. Il y aura une finale face à Aston Villa. L'équipe contre qui t'as pas gagné cette saison. Un match nul et une défaite.
Et une victoire, ok, t'as gagné la FA Cup, au moins t'as une coupe à ton palmarès. Par contre, les deux défaites 2-1, 2-1 là, oh là là, trois défaites 2-1 malheureusement pour toi, c'est triste, très triste même. Donc ça fait que, ouais, là on va dire t'as perdu 9 points. Les 9 points, ouais non, Liverpool ils ont fait une trop grosse saison, hein, quoi qu'il arrive. Mais bon, t'as terminé deuxième quand même, hein. C'est limite un titre. En première ligue, terminer deuxième avec son équipe préférée, limite un titre. En plus, t'as un trophée, t'as la FA Cup. Donc vraiment magnifique. Tac, le Bayern, ils ont gagné la Ligue des Champions et United, ils ont gagné la Ligue Europa. Ok. Donc, on va aller voir un peu les stats de tes joueurs. Ronaldo, il a 84, wesh! Thibaut Courtois, ok, Nuno Mendes, ok, De Bruyne 13 buts, 7 passes D, Mbappé 27 buts et 9 passes D, un but, 8 buts pour Goretzka, Neymar 24 buts et 13 passes D quand même, et Ronaldo 22 buts et 4 passes D aussi. Hein. Très très bien joué de sa part, après Ramos, ouais, ok. Donc, bah, quand même une bonne première saison, hein. Maintenant que t'es en Ligue des Champions, on va voir ce que ça donne, bien évidemment. Normalement, ça va être un peu plus compliqué. Il y a un abonné qui a déjà gagné la Ligue des Champions. On va voir si tu vas être le deuxième. Est-ce qu'il y a un joueur important qui part là? Oh oui, il y a Sergio Ramos qui part. Oh, il part à la retraite ou rejoint? Ok, on essayera de le re-recruter histoire que tu aies encore Sergio Ramos quand même une saison. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc, on va continuer d'avancer. Le petit changement de saison là, c'est toujours assez long quand même. Donc c'est parti. Let's go les gars. Pour la deuxième saison. Hop là, fin de saison. Et du coup, on va voir ce qui va se passer dans cette deuxième saison. Nous avons hâte de travailler avec vous, c'est parfait. Tac, le petit chargement. Allez, c'est parti. C'est parti, les gars. Pour la deuxième saison, avec le host préféré de Théo sans H. La vidéo dernière, c'était Théo avec un H, mais là, c'est Théo sans H. Donc, les gars, c'est parti. Tac, on va juste aller racheter Sergio Ramos, hein, qui part, malheureusement. C'est comme ça, hein. Il y a des joueurs qui viennent, il y a des joueurs qui partent. Donc normalement, voilà, il a quitté l'équipe. Donc c'est parti pour le racheter, Ramos. Hop. Même s'il perd en plus du général, hein, suite à son âge. 37 ans quand même, impossible. Ah, bon. Malheureusement pour toi, tu vas devoir terminer la carrière sans défenseur central, hein, à part si j'en trouve un là qui est bon, genre un bon joueur. Tac, mais à mon avis, les bons joueurs, ils ont été signés. Hein. Ouais. Je vois personne qui est bon là-dedans. Tu vas devoir faire avec, hein, c'est les aléas de la vie, des clubs, du foot. Sergio Ramos qui prend la retraite. Ça va, en plus Ronaldo il a pas pris sa retraite donc tu l'as encore. Bon, simulation jusqu'à la première partie de saison. Tac, le 1er janvier, bien évidemment. La nouvelle année. Hop là, les gars. Petite tournée amicale. Bon, je sais pas si c'est en Allemagne, mais en tout cas, tu joues que des clubs de Bundesliga. Victoire 2-0, ça commence bien. Victoire 2-1 face au Bayern, ça commence super bien, ça aussi. Sachant que tu vas jouer la Ligue des Champions, donc oh, tu joues pour un deuxième trophée et victoire, t'as deux trophées du coup dans ta carrière, la FA Cup et le FIFA. Non, c'est pas FIFA, c'est Football English. Non, je sais plus c'est quoi, mais bref, Community Shield. Donc ça commence bien, deux victoires en plus en deux matchs en première ligue face à Wolverhampton. Là, faut continuer. Hein. On veut une victoire, mon gars. On veut une victoire. Patate KO. C'est toi qui t'es pris le KO malheureusement. Défaite 2-1 face à Wolverhampton. Au bout du troisième match de Ligue des Champions. Ta poule de Ligue des Champions, ça. Au bout du troisième match de championnat, pardon. Ta poule de Ligue des Champions, ça a l'air d'aller, hein, en vrai de vrai. Ok, ça passe en coupe. Face à Aston Villa. Ok, victoire 1-0. Quoi? Défaite 2-0 face à Pana. Je sais plus comment c'est quoi l'équipe, mais wesh. T'as une petite poule de Ligue des Champions?
Si tu te qualifies pas en huitième de finale de Ligue des Champions, hein? Défaite face à Arsenal 2-1. Défaite face à Francfort, t'es dernier de ta poule, avec seulement un point, il me semble. Ok, victoire 4-1. Victoire face à Chelsea. Victoire 3-1 face à Francfort, c'est magnifique. Un partout face à Manchester City. Allez, match face à Leeds, on va voir ce que ça donne. Ok, victoire 2-0. Victoire face à l'Atalanta Bergame. Face à Norwich. Victoire 3-1. Ça va, en Ligue des Champions, tu t'es bien repris quand même. Très 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 bien repris. Il faut juste que tu gagnes ce match-là, il me semble. Et tu le gagnes. Donc, ça se peut que tu sois en huitième de finale de Ligue des Champions. Hein. Mais à mon avis, ça va être compliqué. Pour moi, t'es reversé en Ligue Europa. Après, on va voir. Hein. Peut-être que je dis des bêtises. Et vraiment, là, c'est incroyable ce que ton équipe fait. Hein. Plein de victoires comme ça. Oui, ça continue, ça s'arrête plus. Ah, match nul face à Burnley, c'est dommage. Je sais pas t'es combien en championnat, mais wow. T'es en demi-finale de Carabao Cup aussi. Tac, du coup, ouais, demi-finale face à Aston Villa. Ton équipe détestée était premier de première ligue avec 3 points d'avance. Alors là, tu peux faire un truc historique hein, dans les carrières abonnées si tu remportes la Ligue des Champions. Le championnat, la Carabao Cup et la FA Cup, vraiment ça a encore jamais été fait. Et malheureusement, ça se peut pas vu que t'as perdu 3-2 face à Tottenham en FA Cup. Défaite 2-0 face à Liverpool. À mon avis, au niveau du championnat, t'es premier égalité avec quelqu'un. Demi-finale retour contre Aston Villa, ça devrait le faire. Ouais. Donc t'es en finale de Carabao Cup, c'est magnifique. Allez, face à Fulham, on va voir ce que ça donne. Finale de Ligue des Champions face à Liverpool aussi, d'ailleurs, c'est magnifique. Défaite 2-1 face à Fulham en championnat, ça va mal. Défaite face à Manchester United, à mon avis, t'as perdu la première place. Défaite face au Sporting, aïe aïe aïe. Défaite face à Liverpool le mois de février, à bannir, vraiment. T'as tout perdu sur ce mois-là, je pense. Que ça soit la coupe anglaise, aïe aïe aïe, éliminé en huitième de finale par le Sporting. Wesh. Aïe 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 aïe, les gars, vraiment là, catastrophique Théo. Hein. Tu partais super bien et d'un coup, oh là là, ça enchaîne les défaites en plus. Non, ça fait mal, ça fait très très mal. Mais bon. Ah, il faut bien finir, au moins dans le top 3 là, sachant qu'on était premier le 1er janvier. Aïe 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 les gars, faut absolument que Théo il soit dans le top 3. N'hésitez pas à liker pour lui donner de la force, à vous abonner. Face à Tottenham, hein, partout. Et face à Arsenal. Aïe, 3-0 et dernier match de la saison, victoire 1-0, ok. On va aller voir tout de suite hein, ce qui s'est passé. Donc, t'as fini quatrième. Aïe, 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 aïe. Ce qui est premier, Manchester City. Et puis, ouais, ils sont pas si loin en plus. Hein. T'enlèves. Ouais, t'es 5 défaites, t'es premier. Puis, il y a quoi? Il y a 7 points. Ouais, même juste 3 défaites, tu mets 3 victoires, t'es premier. À l'arrache pour toi. Du coup, tu termines juste avec une Community Shield et une FA Cup. C'est vraiment dommage. Alors que t'aurais pu avoir largement mieux. Tac, Hakimi, ok, Van Dijk. Tac, Goretzka qui finit à 10 buts. De Bruyne 17 buts, 10 passes D. Ronaldo 14 buts, 6 passes D. Il finit à 80 de général en plus. À 39 ans, les gars, c'est pas mal hein, quand même. Neymar 20 buts, 8 passes D. Mbappé 27 buts, 9 passes D. Ok, les gars. Donc, c'est la fin de cette carrière. Abonnez les gars, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!